Ça me donne envie de sourire. Généralement, lorsqu'un propriétaire souhaite déterminer la valeur de son propre bien immobilier, il se dirige vers les plateformes immobilières en vue de comparer son bien avec d'autres biens en vente actuellement sur le marché. Le problème, c'est que ces différentes plateformes utilisent des prix d'affichage et non des prix réellement obtenus. Parfois, cette différence peut être de 20%. Du coup, il y a deux choses à retenir. La première, c'est qu'il est très important de se diriger vers un professionnel de l'immobilier qui va pouvoir déterminer avec exactitude la valeur de votre propre bien, car il va davantage utiliser sa base de données. La deuxième, c'est qu'il est important de ne pas surévaluer le bien, car si vous dépassez la tranche de prix psychologique, vous allez perdre tout l'intérêt que vous pourriez avoir quand vous êtes sur le juste prix. Au final, vous allez simplement perdre de l'argent. Mon conseil, entourez-vous des spécialistes de votre région, et si ça ne bouge pas après 2-3 semaines, réagissez rapidement.